Les terres du potager du roi accueillent depuis 1683 des collections de végétaux qui sont renouvelées de génération en génération. Savoir-faire et faire savoir est la philosophie d'Antoine, le gardien de cette vénérable institution. La finalité du potager du roi aujourd'hui, c'est de toujours être, comme il était au XVIIe siècle, un lieu de production et un lieu de visite, qui accueille un public et qui fait découvrir la diversité. Pour le faire, on se fournit en semences chez des semenciers spécialisés pour les maraîchers, tout comme chez des semenciers plutôt spécialisés en grand public. Parfois sur des choses plus rares ou en recherche quelque chose de très précis, nous allons vers les collections nationales de l'INRA ou encore vers Saint-Pétersbourg et l'Institut Vavilov. On ne récupère pas toujours systématiquement donc les graines de variétés potagères, mais on essaie de récupérer un maximum tout ce qui est, on va dire, variétés assez rares, donc toujours des variétés fixes. Il faut savoir que les variétés rares ne sont pas très répandues à la vente. Alors là, nous avons donc un piment de Cayenne. On va ouvrir le piment et gratter donc toutes les graines pour les mettre à sécher. Le but, c'est vraiment de montrer une grande biodiversité. Donc pour ça, il nous faut aussi bien des variétés, on va dire, actuelles, contemporaines, et des variétés beaucoup plus récentes, voire très très rares même. Nous, on est à la recherche de nouveautés. Ce jardin, quand il a été créé pour trouver et mettre en valeur de la nouveauté. Nous essayons de le faire pareil aujourd'hui, en sachant que la nouveauté, il faut qu'on s'entende. La nouveauté peut être quelque chose qui a été nouvellement créé, qui a des qualités qui correspondent à nos besoins gustatifs, de rusticité. La nouveauté peut être aussi remettre en avant quelque chose d'ancien. Pour autant que ces variétés anciennes supportent nos conditions de culture d'aujourd'hui, que ce soit par rapport au changement climatique, que ce soit par rapport à la rusticité nécessaire de la saison ou de nos moyens techniques. Bonjour Christopher. La vente de très nombreuses variétés de fruits et de légumes est une tradition, mais aussi un revenu indispensable pour faire perdurer le site. Oups. La biodiversité, ce n'est pas juste la collection de variétés, c'est le nombre d'insectes, c'est le nombre de mauvaises herbes, c'est le nombre d'oiseaux qui vont participer à, on va dire, le système de chaque plante. La biodiversité, dans ce sens-là, est un résultat, ce n'est pas un but. La biodiversité est le résultat de toute une série de forces qui se jouent dans les espaces. Et ça, c'est essentiel.